زرتشت زر يعني ذهب ذر يعني ذهب تشت لو كاسرول اون كيس كون دي تشت نغسل الثياب فيه وهذا الظرف زرينة مذهبة ذهبية كالشمس. Dans la constitution iranienne, il y a seulement trois minorités qui ont été reconnues comme minorités. Mais encore, mais pas comme citoyens de plein droit. Les chrétiens, les juifs et les zoroastriens, qui étaient la religion de Zoroastre avant l'arrivée de l'islam en Iran, avant l'invasion arabe. D'accord ? Bon, bon. Well, Iranian Christians are very proud that the Christianity is represented from early stories of in Christian tradition, from the birth of Christ, where the Magi's go, or the first visitors of the newborn Jesus, and many suspect that those were probably at least a few of them from Iran. But then we also read specifically in the Book of Acts a few of those ethnic groups and Iranian population represented in the event of Pentecost, where the church experiences the gift of Holy Spirit, and then they hear their tongues, their languages from those disciples in Jerusalem. So their presence in Jerusalem at the Pentecost and also in the birth of Christ gives them, I mean, takes the history of Christianity in Iran back to its early days. But then there are traditions that talk about some of the apostles of Jesus Christ visiting Iran, and then from there even sending missionaries to countries like China. And so, but that's the very ancient history. The growth of Iranian Christian population is mainly the influx of Armenians who have been brought into Iran's mainlands, and particularly central Iran, during the Safavid era. L'ismaïlisme, c'est une branche de religion musulmane, surtout une sous-branche de chiite, parce que une fois après leur tradition, c'est le prophète Mohammed, il a choisi Ali pour le succéder, il a donné sa fille à lui, et finalement, dans la tradition chiite, les imams, après Ali, l'un après l'autre, ils ont quelque chose qui s'appelle Nas pour devenir imam, et après, l'un après l'autre, reste devient imam. Et dans la tradition ismaélienne, c'est qu'après cinquième imam, qui est Jafar al-Sadr, qui en réalité c'est sixième imam pour le chiite de Décidienne, Islam Chirite. Alors, le premier fils de Jafar al-Sadr s'appelle Ismaël. Et le cinquième fils s'appelle
Moussa, Moussa et Kazem. Et c'était, il y avait un mouvement intellectuel à l'époque de Jafar el-Sadr, et les gens qui étaient plutôt philosophes, qui se basaient sur la science, parmi les gens qui étaient autour de Jafar el-Sadr, qui c'était un imam chiite, eux, ils ont le fait que Jafar el-Sadr a nommé Ismaïl comme imam après lui, et lui, à ce moment-là, tous les imams, ils étaient éliminés par le gouvernement abbasside. Alors lui, il était obligé de quitter maison paternelle, et les gens qui étaient plutôt une tendance philosophie, science, attachés à ce genre d'idées, ils ont pris parti Ismaïl, et les gens qui étaient plutôt dogmatiques, et ils ont pris parti Moussa et Kazem. À ce moment-là, le chiisme s'est divisé en deux branches, Isna-Chilite et Ismaélite. Alors, dans ce schéma, deux branches, à l'époque fatimite, encore des chiites, sont divisées. Un, ce sont les Druzes, à l'époque de Hakim Ben Amrillah, c'est un des califes fatimites. Et deuxième, c'est à l'époque d'un autre calife fatimide qui s'appelle Moussa Zirbella, qui encore, lui, il a la même histoire qui s'est arrivée avec Jafar el-Sadr, imam Jafar el-Sadr, imam chiite. La même s'est arrivée à l'époque de l'imam encore chiite, Moussa Zirbella. Qu'est-ce qui s'est passé? Moussa Zirbella, il a nommé son fils Nizar, mais son autre fils était marié avec la fille du général de l'armée de Moussa Zirbella. Alors, le gendre, il voulait garder l'autorité, et il demandait à Moussa Zirbella de nommer d'autres fils comme prédécesseur, comme imam après lui. Et finalement, ils ont les Ismaéliens qui étaient mécontents de cette manipulation, surtout les Ismaéliens qui habitaient en Iran, ils sont venus chercher Nizar et ils l'ont ramené en Iran. Et comme ça, ici encore, l'ismaélisme est divisé en deux. Il y a Mastalit, le fils qui est marié avec la fille des générales de Mustan Sebella. Et après plusieurs générations qui continuaient, et après jusqu'à la femme fatimite. Et les Iraniens qui sont venus chercher le fils de Moussa al-Sirbella, la première, c'était Nizar. Et comme ça, la branche et le système de Dava, le système de propagande ismaélienne, s'est déplacé d'Égypte en Iran. Et finalement, il s'est logé au nord de Téhéran, dans un endroit qui s'appelle Alamout. L'islam chiite est la religion de l'État. Et alors que au moins 20% de la population iranienne, au moins, qui représente à peu près 80% des ethnies, sont sunnites dans le Kurdistan. Peut-être 80% du Kurdistan. En Baloutchistan, même en Turkménistan, dans le nord de l'Iran, ils sont sunnites. Dans le sud, il y a une population arabophone, ils sont chiites. As you rightly mentioned, Baha'is are the largest non-Muslim minority in religious group in Iran. And well, we know that throughout the ages, every major religion have been subject to persecution. So Baha'i faith is no exception in that sense. Ils sont les plus persécutés parce que c'est une religion assez récente. Parce que les trois autres religions, ce sont les religions avant l'islam. Mais vous savez bien que dans le Coran, l'islam et Mahomet est considéré comme Khatam al-Nabiyyin, dernier prophète. La foi bahaï est née en Iran,
au XIXe siècle. Très précisément, on peut donner comme date de naissance 1844, la date à laquelle le Bab, qui est l'un des deux prophètes de la foi bahaï, a déclaré sa mission, très précisément le 23 mai 1844. Alors, le Bab était un jeune perse de la ville de Shiraz, au sud de l'Iran, qui a déclaré être à la fois le promis de l'islam et celui qui vient préparer les gens, le pays, pour la venue de celui qui devait plus tard fondé la foi bahaï, qui était Baha'u'llah. Baha'u'llah, dont le nom est Mirza Hossein Ali, qui était du nord de l'Iran, de la province de Mazandaran, et dont le titre Baha'u'llah en arabe signifie la gloire de Dieu. Sur le plan politique, vous savez, le créateur de cette religion, Hossein Ali Baha, il a été expulsé vers l'Empire ottoman de la Perse. Ça, c'était au 19e siècle. Il a été expulsé avec son frère. Les deux étaient les deux dirigeants de ces, si vous voulez, de cette. À l'époque, on parlait encore, si vous voulez, d'un message, on ne parlait pas d'une religion au sens exact du terme. Après, là-bas, je ne sais pas si c'était à Istanbul ou ailleurs, il y a eu un différend entre les deux frères. C'est la raison pour laquelle l'un des deux frères a été expulsé par les autorités ottomanes au Chypre, l'autre à Akka. Les deux étaient quand même sous l'Empire ottoman. D'accord ? Mais bon. Après, il y a la Première Guerre mondiale, il y a la disparition de l'Empire, il y a la création des nouveaux États comme le vôtre, comme la Syrie, etc. etc. Et il y a aussi, finalement, la Deuxième Guerre mondiale, il y a la création de l'État d'Israël à partir de 1948, etc. etc. Et Dakar, actuellement, se trouve dans le territoire israélien. C'est pour ça qu'ils le considèrent comme une religion, peut-être pas créée, mais pas protégée par Israël. There have been, so the constitution provides for special seats for the three recognized religious minorities, according to Article 13 of the Iranian Constitution, which is Zoroastrian, Jewish, and Christian. So they have fixed seats that are provided. There aren't fixed seats or representation for ethnic minorities, but there have been ethnic minority representatives at the parliament as well. These recognized religious minority seats are often brought into play for foreign policy reasons. They are under, you know, if we look at the evidence, they have been under a lot of pressure to claim that, for example, the Jews in Iran are freer than the Jews in Israel. I mean, they are brought out, they are visited on some special occasions, religious festivities, and there's a lot of pressure on them to declare themselves very, very free. But there are limitations, and quite serious limitations. So, for example, the Zoroastrians in Iran, if a person goes and says, I feel in my heart that I am a Zoroastrian, I come from a Muslim background, but I want to convert, the Zoroastrian community in Iran will not respond, because for their survival will be at stake. Ayatollah Montazri, ana sa'altuhu, innama kana masjunan fi bayti. أنا كان عندي علاقات مع ابنه موجودة حاليا
حكينا معاً بعثنا رسائل وسألته قلت آية الله منتظري اليوم أكثر الناس يريدون أن يغيروا أسماءهم شو رأيك؟ قال بأن الأسماء النبي وأئمة أسماء جيدة كويسة لكن إذا أرادوا أن يغيروا أسماءهم ما في مشكلة في نفس الوقت سألته إذا الناس غيروا رجعوا إلى دينهم الأول لأن من خوف أنا كنت يهودي بخوف قلت أنا مسلم في إيران في كتب كتبوا هيك كتبوا آلاف صفحة كتب يهوديين إيران خصوصا من مشهد لكي يقدر أن يعيش في البلد قالوا نحن مسلم أنا عندي جوزيف وقول أنا عندي عبد الله هذا كتبوا كتب موجود فلذلك من خوف زرتشتي قال أنا مسلم لأن إذا ما كنت مسلما كما يعملون الداعش اليوم فلذلك سألت سيد منتظري أنا وهو قال كل الذي يعتقد بالدين ودين أهل الكتاب عندهم كتاب مقبول لدينا لكن مش هذا النظر هذا الفكرة كان عند منتظري وبعض الآخرين لكن مش أكثر رجال الدين Since early days of Islamic revolution there were attempts to put a lot of pressure on any churches that offered Christian services to Farsi speakers. Many of them were shut down. Early days of revolutions, some of them were even killed and the churches were shut down. Many missionaries were forced to leave the country. But then when the number of these churches were limited and their activities monitored, we saw a new wave of persecution of Christians since 2009, where the government systematically tried to categorize Christians into two categories of those who were recognized by the Iranian government and perhaps highlighted the legitimacy of the Iranian government by portraying an image of a tolerant government of Iran. And then there were others who the Iranian government was not very keen on having them continue their ministries. And these were the churches that offered their languages, their services, their Christian services in Farsi. They were forced, first of all, to minimize their services to only one day a week. All their midweek programs were shut down. All their leadership training programs were shut down. Any connection with the church body outside Iran were cut off. Many of them even had to submit detailed descriptions of their leadership meetings to the authorities. And they had to submit a list of the people who were newly baptized into their churches. And so basically trying to strangle these churches, to cut off their finances, their connections with the other churches, their leadership development and everything else. And then eventually began to shut down their Farsi services. Right now there are very handful, maybe three or four Farsi-speaking churches left, which are monitored quite closely, and they're not allowed to take in new members. So basically the official churches that offer services in Farsi are non-existent at the moment, except these three or four, as I said, with no possibility of growth. But these pressures led those who were forbidden from attending churches to form small groups and worshiping in their houses. Les bahaïs, peut-être autour de 200,000 personnes, 200-300, vous savez, mais bon. Ils sont persécutés dès le premier jour, le lendemain de la victoire de la révolution, et à ce jour. Ils n'ont aucun droit. Même pas droit à aller à l'école. Sauf s'ils ferment la bouche. Ça veut dire s'ils trichent. Lorsque on vous demande est-ce que vous êtes musulman,
disent oui. En Iran. En Iran, on peut imaginer, enfin, parce que M. Abbasi m'a dit qu'il devait le dire, c'est que, je me suis renseigné, c'est entre 120 et 150 000. C'est pas beaucoup. Parce que tous, ils ont, au fur et à mesure, ils ont quitté. Mais les lieux, les grands lieux d'Ismaili du temps, maintenant, il n'y a pas beaucoup. Toutes les citadelles, Alamout et tout ça, bon, c'est des ruines, mais dans les vallées à côté, il n'y a pas d'Ismaili.